Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle télémission en ce mois de février. En nous suivant sur les réseaux sociaux, vous avez choisi le thème de la passion. N'hésitez pas à nous suivre afin de nous suggérer les thèmes des mois à venir. Lorsque l'on entend le mot passion, c'est évidemment le thème de la passion amoureuse qui ressort en ce mois de février, mais pas que. Aujourd'hui, nous aborderons la question des relations amoureuses pendant la Saint-Valentin face aux contraintes sanitaires. Nous allons ensuite nous pencher sur l'interprétation religieuse du terme passion au sein des différentes croyances. Enfin, nous terminerons en découvrant une passion assez atypique et d'actualité, la spéculation boursière. Et tout de suite, le générique. Dans ce premier reportage, nos journalistes sont allés à votre rencontre pour recueillir vos témoignages sur l'impact de la pandémie sur vos relations amoureuses. Vous leur avez livré vos astuces pour faire des rencontres en cette période de Saint-Valentin. Bonjour à tous, aujourd'hui Télé-Sorbonne vous emmène à Paris, la ville de l'amour. Depuis plus d'un an, le coronavirus a bouleversé nos interactions sociales et ça complique pas mal la recherche de l'âme sœur. Comment font les jeunes célibs en 2021 pour draguer? La réponse tout de suite. Ça fait un an. Hier. Ça va faire 18 ans et 11 mois. Ça va faire une semaine. Ça doit faire 2 ans. Elle a détruit mon couple. Je pense pas que l'amour soit restreint au restaurant et au cinéma. On peut trouver d'autres alternatives. Bah déjà physiquement c'est un peu compliqué parce que quand il y a le masque, on se dit potentiellement cette personne est belle. Et en fait on enlève le masque et bah on est un peu plus gêné pour parler aux gens quoi. Je travaille beaucoup et donc du coup on se voit une fois dans la semaine, c'est compliqué quoi. Me proposer un date, on peut pas. En général quand t'avais un date, t'allais voir les filles, t'allais au bar ou juste sortir avec tes potes, et c'est là où tu faisais des rencontres. Donc sur ça, ça joue, et aussi il y a les soirées, les choses comme ça, donc tu peux plus trop en faire et c'est vachement limité quoi. Bah c'est compliqué, surtout quand on est jeune et on vit pas ensemble. Après, il y a des couples qui se créent aussi pendant le confinement, mais il y en a beaucoup qui se cassent. C'est compliqué, moi je trouve ça hyper aléatoire ces trucs-là, franchement je comprends pas comment ça marche. Je le crée pas en regardant des photos sur Insta ou je vais DM quelqu'un, « Ah, j'ai reçu un Snap, cool !» C'est pas comme ça que tu crées quelque chose, donc c'est compliqué. Ouais. Sur Tinder, je m'étais mis sur Tinder, je me suis enlevé de Tinder, je me suis remis sur Tinder, je me suis remis. Ouais, bref. En fait, j'avais déjà utilisé cette application à une époque et j'étais un peu déçu des rencontres qui se faisaient là-dessus parce que je pensais qu'il y avait quelque chose de moins réel que dans la vraie vie, en rencontrant des gens en chair et en os. Franchement, c'est pas trop mon délire, c'est pas trop quelque chose que je fais en général. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font. J'utilise aussi une application avec des secure place, donc avec des endroits sûrs quand on se sent pas trop en confiance, mais c'est généralement des bars, donc comme ils sont fermés, c'est aussi compliqué de se sentir en sécurité. On parle quelques fois, mais après ça n'aboutit à rien en fait. Donc on a fait une petite soirée entre amis voilà, on s'est offert des roses c'était convivial et joyeux. J'ai offert une rose à ma meilleure amie. C'était dimanche. Bah c'était dimanche quoi. J'avais tous les retours de l'heure Saint-Valentin etc. Et du coup moi j'étais un peu... Ouais ça m'a un peu rendu triste mais j'ai regardé Gossip Girl et ça s'est bien passé. Tout seul hein, comme d'hab. Non on était posé avec les amis tout ça, c'était carré. Dans mon lit tout seul, à regarder des films mais... C'était quand même agréable. Bah personnellement je révisais, j'étudiais. On a fait un week-end entre potes, tout simplement, voilà, pour pas être tout seul. Ça s'est fait un peu au hasard, hein. C'était pas prévu du tout. Chaque pot a son couvercle, donc on finira bien par le trouver à un moment donné. Franchement c'est pas pressé, moi je sais que pendant le confinement j'ai appris à me découvrir et c'est encore mieux qu'apprendre à découvrir quelqu'un d'autre. Vous en faites pas, ça va finir par passer le confinement et on va pouvoir reprendre la vie active, rencontrer des nouvelles personnes. On va pouvoir vivre quoi. L'amour vous trouve hein. C'est... Arrêtez de chercher. Hein. Faut pas perdre espoir, ça va aller mieux. Et il faut juste faire les choses qui nous passionnent, indépendamment des relations amoureuses. Il est important d'abord de se trouver soi-même, comprendre ce qu'on recherche, qui on est réellement, pour ensuite s'engager avec quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, on peut pas comprendre quelqu'un quand on se comprend pas déjà soi-même. Une de nos équipes s'est interrogée sur la signification du mot « passion » en revenant sur son origine étymologique et religieuse.
Quand on pense au terme passion, tout de suite nous viennent à l'esprit des concepts tels que l'amour pour un être, le goût pour une activité sportive ou artistique. Malgré tout, comme le laisse à penser la longue liste de définitions sur la page du dictionnaire du Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, la passion est une notion polysémique dont les composantes se concentrent autour du thème de l'amour, la maladie, la philosophie, la persévérance, la religion ou encore la sexualité. Il est donc impossible d'en donner une définition concrète sans négliger un de ces aspects, l'idée de passion étant complexe. Ainsi, si toutes ces thématiques possèdent leur propre conception de la passion, la religion ne fait pas exception à la règle. Mais, tout comme le terme est polysémique, la religion n'est pas un domaine uni. En effet, les croyances sont différentes selon les personnes, le culte pratiqué, la façon de le pratiquer, le nombre et le type de divinité impliquées dans la croyance. Pour tenter d'en savoir plus sur le sens de la passion dans le prisme des religions, Télé Sorbonne a interrogé plusieurs connaisseurs du sujet, et dont le culte diverge, afin d'en comprendre mieux les enjeux. De cette façon, nous avons eu l'honneur de recevoir le père Jean-Baptiste de la Vierge, prêtre dans l'abbaye de la Grasse, dans le sud de la France, ainsi que Laure, étudiante en master 1 en philosophie contemporaine. La passion qui nous brûle, comme la colère, comme l'amour, Eros et Thanatos, pour parler comme Freud, reprenant un vocabulaire grec, et puis elle renvoie évidemment aussi à la passion du Christ, donc à cette souffrance infinie d'amour qui sauve tous les hommes. Qui s'ouvre à cette rencontre avec le Seigneur. Et c'est là que l'équivoque est merveilleuse, parce que la passion du Christ qui sauve l'humanité de l'enfer et du diable est infiniment douloureuse, mais elle est aussi une folie d'amour du Christ pour chacun d'entre nous. En premier lieu, ce qui nous agit, c'est-à-dire les puissances en nous ou hors de nous, qui nous font agir, qui nous poussent à agir, sans que notre raison entre. La passion, c'est aussi un sentiment, mais un sentiment en ce qu'il a de négatif, c'est-à-dire en ce qu'il nous détourne de la raison, en ce qu'il nous pousse à agir contre nous. On voit le Christ souffrir infiniment, expiant dans sa chair, dans sa sensibilité, tous les péchés de tous les hommes et de tous les temps. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et donc la passion du Christ est vraiment ce chef-d'œuvre d'amour où la folie de Dieu va jusqu'à se donner pour tous les hommes et de façon à leur proposer vraiment la béatitude éternelle, le bonheur infini du ciel. L'athée est celui qui s'inquiète en fait de la prégnance de cette passion religieuse dans la société. C'est celui qui considère la passion comme cette passion violente, comme cette souffrance, et qui la voit comme telle. Alors, si la passion, c'est ce par quoi on est agi, la religion en tant que passion peut être dangereuse pour la société. Et le discours de l'athée, en démocratie, c'est d'écarter cette passion de la place publique. Donc ça va être toutes ces lois autour de la laïcité en France, par exemple. Si la passion n'est pas réglée et par la raison et par l'amour, alors elle pourra devenir un fanatisme. Elle pourra devenir une idéologie, elle pourra devenir une violence. Et on l'a hélas vu plusieurs fois dans l'histoire, avec notamment cet épisode tragique du 16e, 17e siècle, des guerres de religion. Moi, comme individu, j'ai des passions qui ne sont pas condamnées moralement. J'ai des passions qui sont condamnées par la justice. Je peux être incarcérée pour, par exemple, avoir commis un crime passionnel. Mais je ne peux pas être condamnée moralement parce que je suis traversée d'un désir sexuel, d'une passion sexuelle. Je n'ai pas conscience des choses qui m'animent et des choses qui me font agir comme des passions. Elles sont des pulsions, elles sont des déterminismes socio-économiques, mais elles ne sont pas des passions au terme religieux ou au terme spirituel. C'est-à-dire que ce qui m'anime ne s'accompagne pas d'une spiritualité qui le déferait de moi ou qui dénoncerait l'animal qui agit en moi. Bien que la notion de passion ait pris une dimension religieuse, elle n'en demeure pas moins complexe à définir et dépendant de plusieurs facteurs, tant à la fois culturels que doctrinales. Réside cette ambivalence, passion-raison, un duo souvent opposé, désigné comme incompatible. La passion est considérée comme irrationnelle, poussant parfois au vice, tandis que la raison est pensée comme une vérité, appuyée par la science. Dans la religion, ici catholique, la passion se concentre principalement sur l'idée de la passion du Christ, un moment de souffrance intense vécu par Jésus, animé par un amour inconditionnel pour chaque humain de toute époque, provoquant ainsi un sentiment d'épanouissement chez les chrétiens, dont la signification de cet événement est fondamentale. C'est cette passion qui régit les actes de ces derniers et les encourage à agir. Chez l'athée, la passion n'est pas ressentie comme telle.
Celui-ci interprète ses comportements quotidiens comme des actes provoqués par des pulsions ou des déterminismes sociaux et économiques, et non régis par une passion qui les pousse à l'action. Pour la dernière rubrique, nos reporters se sont intéressés à la passion pour la spéculation boursière. Ils ont rebondi sur l'affaire GameStop et ont retracé l'histoire de la bourse et de la finance. La bourse a récemment fait parler d'elle suite à l'affaire GameStop, ancienne américaine de jeux vidéo matériels cotée sur le New York Stock Exchange, une bourse new-yorkaise. Cela fait 5 ans que l'entreprise est en difficulté financière. Leurs résultats se dégradant d'année en année, certains investisseurs ont cherché à parier à la baisse sur la valeur de cette entreprise. Ces acteurs financiers font partie de hedge funds, des fonds spéculatifs, et leur pari correspond à un short selling, une vente à découvert. L'idée est simple, les hedge funds empruntent des actions à GameStop. Estimant que leur valeur va diminuer, ils vont les revendre dans l'optique de les racheter moins cher plus tard. À l'échéance, les actionnaires de GameStop récupèrent leurs actions et les hedge funds réalisent un bénéfice dans le cas où leurs prévisions se sont révélées exactes. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, un forum Reddit intitulé Wall Street Bet est venu perturber les affaires des spéculateurs. Ces utilisateurs se sont coordonnés afin d'acheter en masse des actions GameStop pour faire remonter son cours et ainsi piéger les investisseurs misant sur une baisse de celui-ci. Quand on achète une action, celle-ci est retirée du marché jusqu'à sa revente. En économie, lorsque l'offre est inférieure à la demande, le prix augmente. Voyant le cours de l'action monter et le stock en circulation diminuer, les investisseurs ont dû les racheter rapidement pour éviter de trop grandes pertes. En définitive, cet événement a montré que des passionnés de finances, informés et coordonnés, pouvaient déstabiliser la plus grande place financière du monde, Wall Street. Oui, parce que lorsqu'on entend bourse, on pense souvent à Wall Street et à tous ces traders qui se pressent dans le brouhaha du front office. Mais c'est quoi la bourse au juste ? La bourse, c'est une institution, publique ou privée, de l'économie de marché. Elle fait se rencontrer des agents à besoin de financement, l'offre, et des agents à capacité de financement, la demande. Le marché boursier est un système désintermédié qui ne fait intervenir aucun administrateur entre les agents impliqués dans l'échange. Les prix dépendent de la rencontre entre offre et demande, et comme elle est toujours différente, cela explique les fluctuations incessantes des cours. Par exemple, le CAC 40, indicateur basique des valeurs boursières en France, est actualisé toutes les 15 secondes. Il existe plusieurs places boursières dans le monde. Les plus puissantes sont situées aux États-Unis, en Europe ou en Chine, où le pouvoir économique est grand. La Bourse de Paris, elle, a été intégrée en 2000 dans Euronext, regroupement des bourses de l'espace Schengen, qui figure désormais à la 7e place mondiale. À l'origine, donc, la bourse est un lieu où des affaires sont négociées et traitées. Très vite, ces négociations prennent une place essentielle dans le financement de l'économie. Les marchés financiers permettent en effet des investissements plus conséquents, qui mènent donc à des projets d'envergure. Et c'est ainsi que la bourse devient un élément central des économies capitalistes. En 1800, 7 actions sont cotées à la bourse parisienne. 100 ans plus tard, elles sont plus de 800. Et enfin, en 2008, la place parisienne compte environ 1200 titres. De nombreux économistes associent le développement des pays occidentaux à l'ampleur du marché boursier. Certains considèrent également que les valeurs financières sont complètement déconnectées des valeurs réelles de l'économie. D'ailleurs, l'écart entre le prix en bourse et le prix en économie réelle, lorsqu'il gonfle, s'appelle une bulle spéculative. Et lorsque les prix se réduisent soudainement jusqu'à retrouver leur valeur de marché, on parle de l'éclatement de la bulle, qui peut parfois provoquer une crise financière, économique et sociale. C'est au XIIe siècle que l'on recense les premiers courtiers en Europe. La première bourse organisée en France est lyonnaise et voit le jour en 1540. C'est en 1636 que la Hollande devient le théâtre du premier crash boursier de l'histoire. Après une augmentation du prix du bulbe de tulipe, le cours s'effondre brutalement. On s'en rappellera comme de la tulipomania, et si son nom peut aujourd'hui faire sourire, cet épisode est annonciateur de nombreux autres crashs plus dévastateurs. Au XIXe siècle, les besoins de capitaux se font croissants afin de financer l'industrie et les transports. La révolution industrielle accélère le développement du marché boursier. Mais c'est la révolution libérale dans les années 70 et 80 qui assoit l'importance capitale de la bourse.
Aujourd'hui, il n'existe plus ou peu de lieux boursiers d'effervescence comme on en voyait au début du XXe siècle. Les titres sont dématérialisés et les actions de spéculation sont informatisées. Plus de spectacles à la criée donc, mais une ampleur grandissante. Et si le marché boursier semble régir notre économie, cela n'empêche pas les critiques de pleuvoir. Elle vise plusieurs choses. D'abord, la spéculation peut déstabiliser une économie si elle provoque un écart significatif entre valeurs réelles et financières. Et puis, le problème de la réglementation des actions boursières reste toujours sans solution. Enfin, l'expression « jouer en bourse » révèle un travers considérable de l'action boursière. La spéculation mène à des comportements pathologiques proches de la dépendance. Alors, passion ou addiction ? La bourse peut devenir anormalement essentielle à la dopamine des traders et à l'équilibre économique mondial. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager cette vidéo. À très vite.